Salut tout le monde, c'est ML2G. Je prépare un nouveau Voltroug. Le Voltroug de Earthworm Jim. Je vais faire la version Super NES. Tout ça en rotant, si c'est pas la classe. Il y en a deux qui sont sortis sur Super NES. Bon, c'est sorti sur Mega Drive et PC. Et même il y a des remakes sur la GBA aussi. Mais je préfère le deuxième, mais je vais quand même faire le premier. Je vais pas faire le deuxième comme ça d'un coup. On va d'abord se faire le premier. Et après peut-être qu'on se fera le deuxième. Verra-t-on bien. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo co-launched. Que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc c'est le moment d'y revenir un petit peu. Allez, là il y a un passage secret, on va le prendre direct. Si j'y arrive. Allez, allez. Ah merde. C'est chaud. Faut passer au poil de cul. Non mais sans deck. Voilà. Voyons. Bon, toi, Jim, ça représente un peu. Le décalage de jeux vidéo, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un jeu carrément déjanté. C'est un ver de terre normal, à la base l'histoire je vous la raconte vite fait, c'est un ver de terre normal qui cherchait à se défendre face aux corbeaux, parce qu'il y a des corbeaux, j'en ai dézingué deux ou trois je crois depuis le début de la vidéo. Et il tombe malheureusement sur ce costume radioactif, ce qui fait que ça lui donne des super pouvoirs comme vous pouvez le voir. C'est un ver de terre super costaud, super baraque, avec un gun et un fouet. Le fouet il est là, et le gun, bah, je vais pas tirer parce que j'ai deux gros coups. Allez, descendre. On va monter. Enfin bref. Et en fait, le but de l'histoire, c'est d'aller sauver une princesse. Tu ne sais pas d'où elle sort, la princesse. Mais enfin, il faut la sauver. Ouais, c'est bon. Ouais, donc pour résumer le tout, c'est vraiment un jeu excellent, plein d'humour. Alors, vous allez le voir le long de l'aventure, de toute façon. Bon, le truc, je pense qu'il sera pas super long, parce que le jeu, il est pas super long non plus. Hein. Mais il est quand même hardcore, le jeu. Savoir que moi, le jeu, je l'ai terminé en version HD, sur 360. La version normale, donc la version Super NES, je l'avais jamais terminé. Parce que à l'époque, quand je l'avais acheté, il était vraiment trop dur pour mon âge. Dégage, salaud. Oh putain! Ça m'a chopé là. Saloperie. Oh, chiant ces corbeaux. Amène-toi. Voilà. On n'en parle plus. Donc ouais, là, les petits points bleus, c'est des atomes. C'est ma jauge de vie, j'ai envie de dire. Allez, monte, monte. Monte. C'est pas grave, il faut pas monter. On va monter d'une autre façon. Normalement, il y a un truc là. Non, il est là. Merde. Voilà. Ouais, donc c'est des atomes. C'est ma jauge de vie. Aïe. Ah oui, il y a plein de trucs débiles qui tombent. Il y a des cônes de route, des téléviseurs, des robinets. C'est d'ingenté quoi. C'est Earthworm Jim. Des jeux comme ça, on en fait plus. C'est bien dommage. Moi, j'en redemande des jeux comme ça. Même les boss, vous allez voir, c'est franchement voilà quoi. J'ai juste hâte d'être au premier boss quoi. Waouh waouh waouh. Dégage. Les chiens, ils font une drôle de gueule quand même hein. Je sais pas si c'est un caribou, mais je vais dire que c'est un caribou. Hein. Hop là. Yippie!
Yippi! Toi, attends. Voilà. Hop, par là-bas, il y a une petite vie pour Bibi. Voilà. Et là, on va arriver au mini-boss. C'est une belle ordure. Aïe, ouais, c'est vrai. Aïe. Oh. Bon, normalement, ils sont pas si compliqués à battre. C'est juste moi qui joue comme un gros... comme un cul, quoi. Ouais, je joue comme un cul, c'est bien ce que je dis. Voilà. Ouais, ils sont pas compliqués. Very cool. Ouais, je sais. Là, vers la gauche, vous allez voir ce truc rouge là-haut. C'est pour vous restaurer tous vos atomes de vie. Hop là, je vais être à 100%, c'est bon. On va pouvoir terminer le monde. Oups, on va récupérer ça quand même. Ouais, on voit que j'ai une réserve, un stock de munitions en gros. Là, je suis à plus de 2000 et quelques balles. Ah, voilà le boss. Mais arrivé à zéro, on peut quand même continuer de tirer. Hein. Ah, c'est très propre. Hein. Il crache des poissons. C'est dommage qu'il n'y ait pas une musique spéciale pour le boss, mais il y a certains boss où vous avez quand même une musique. Je crois que dans la version HD, il fait des bruits de roue en fait. Et merde, là je l'ai raté par exemple le coup là. Ça me fait marrer, il pète avec son coude en fait, quand on lui tire dessus. Faut vous montrer que ça sert à rien, que ça lui fait rien. Foiré. Aïe. Voilà. C'est pas vrai. Bon. Bon, les crashs en continu, ça veut dire qu'on va pas tarder à le buter. Voilà, eh ben voilà. Je l'ai fumé. Et il fume aussi, par la même occasion. Yippee! Yippee! Voilà, yippee! Excellent. Groovy! Groovy! Ah, ça je kiffe. Groovy! Eh oui, on peut lui faire ça. Autant qu'on le veut. Andy Asteroid. Ça, je kiffe la petite musique country derrière. Et là, le but, c'est de terminer le parcours en premier. Si on termine pas le premier, c'est pas grave, hein. Mais il faudra qu'on se batte contre lui, en fait. Oh, Nelly. Faut éviter les astéroïdes, hein, évidemment. Sinon, on ralentit. Franchement, faut vraiment avoir l'idée de foutre une musique country quand on est dans l'hyperespace, hein, et qu'on est à la vitesse de la lumière. Ouais, voilà, ouais, ça me ralentit un petit peu. Et l'autre, il en profite pour me dépasser. Bon, heureusement, j'ai des boucliers. Bon, ils sont pas très très longs. Alors, on a deux gros boosts pour aller bien vite. Allez. Putain. Oh, j'ai dépassé les 50 bulles. Je sais pas qu'est-ce que ça fait d'avoir des bulles en... d'avoir plusieurs bulles. Je sais que sur la 360, ça vous débloquait des succès. Alors sur Super NES, ça existait pas à l'époque. Hein. Là, le sprite, il est juste magnifique. Il y a Jim qui s'amuse avec sa tête. Bon, et puis on va s'arrêter là, hein.
Ouais, j'ai gagné un continu. Ça, c'est cool. Bah, ça doit être ça, les bulles, hein. 50 bulles et un continu. Ça fait plaisir. Donc, on va s'arrêter au prochain niveau. Je sais, la vidéo est pas très très longue, mais bon. Vu que le jeu n'est pas très long non plus, je préfère faire plusieurs petites vidéos. Comme ça, vous avez le temps de les regarder quand vous voulez. What the heck? Bon. Je vous dis à l'épisode 2 pour la suite d'Earthworm Jim dans ce niveau. Ciao tout le monde!